السلام عليكم ومرحبا بكم في لسوانا رقم 13 في ديريكتيف هنا ميلاردور. افون كي نبدو باسم بالليسون ده اول كي ندورني رابيلي انتو خوامات وادين انا سويتيم انكور دي روت الور اندينا فوالا زيت ان نوفو ايدر هني للكومبوزان ان نوفو فوتر كومبوزان فوتر اجينا ازي اجوتي لو كلك peu de lorem ipsum on sait le mise en page yake hatete le copyright ni hatete grechat suite hini firu dalla da to ajouter composant va tout sur ma connexion ou hatete le route d'activer ou hini clou inscription clou ou baden dit hini faut que les modifications da en fait chier que c'est le nettoyage ensuite faut que les ajout de clou ajouter le formulaire al zedako. Voilà, on a le directif. Alors, le directif, en fait, comme je nous tourne sur le traitement, on va dire composant à Guinée, à tous mes délégués, on a un délégué, les directives. Alors, le directif, il agit au niveau du DOM, il y a un filou balé HTML à Guinée directement, donc je nous crée la couleur, ou bien comment on a besoin de modifier les attributs, quoi. مثلا عندنا زي فورميلير اجينا على ده جي نسي با سوبوزون نادم كان دقا اون في كي النو دو تويتر يبقى ماجيسكيل زور كان كتب على مينيسكيل ده اوتوماتيكمان يتوي ترانسفورمي وا ماجيسكيل الور ده مانكي كو ده انينا سي نيفو ده انينا نقدر نسوي زي ده الور ابري ده انجولار خلينا ان اوتر ديسبوزيسيون دي ديريكتيف دو لي ستركتورال دول جو كرو كان انينا يوتيليزي ان جي فور ان جي اف دول ما نعرف اسكي يوتيليزي او ما يوتيليزي او ng switch case ou ng clash ng style alors on doit de toutes les façons utilisation game c'est pas compliqué ou avant de les utiliser dans notre étoile que vous balim ou c'est d'accord alors anine 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 y a tout ça enfin nous sommes directif à guiner l'anine ou juste on va les créer avec cette commande. Alors anine derrière déjà créé une directive directive une directive aussi en majuscule. En fait, par défaut, quand on crée de ou il y a voilà, une directive a manqué, il y a biscuit ou j'ai ajouté ça ou elle-même c'est d'accord. Ajouter le alhuda parce que nous devons chi filou ba input filou ba yani change et d'ailleurs il modifie valeur regga. Donc pour ça, en fait, ajouter le un provider ou c'est d'accord pour que dream chi accéder faut. Ou baden mon goal tolo un host listener. En fait, la directive qui est là-dedans, il y a un Yahoo, je l'ai ajouté, il faut que les pages majuscules soient là. En gros, il y a un host listener qui est considéré l'input comme parent. Donc, nous voulons que le host listener écoute les changements de input. On veut écouter quel événement, nous voulons qui appuie. Il y a des autres qui ont appuyé, il faut que les claviers soient lâchés. Donc hindi par exemple nous le console.log affiche moi l'événement par exemple ou bien vous avez saisi par exemple deux points la valeur à vous saisir dans event point key code par exemple. On a du hini, voilà. On a du plutôt une page de modification. Alors, en tant que code, je pense que dans les hoods. En gros, moi, en tant que les valeurs exactes je pense que y char ou la char code, je pense qu'il disait d'accord. Il y a une saisir. Bon, ok, en fait, l'objectif de c'est quoi? L'objectif de c'est de mettre en fait une ida. En gros, on a capturé un arfo et il a écrit quelque chose. Mais à chaque fois, on veut tout mettre à jour la chaîne.
l'oubli d'un retour en majuscule, quoi. Voilà. Donc, nous disons il doit récupérer tous les chaînes de caractères al nadum katabada. Alors, pour ça, il y a tout cet élément de type ElementRef. Donc, c'est un service fourni par Angular Core. Ou il render en fait, il permet de faire un nom sur le DOM directement. Ou il peut utiliser les Element en fait, voilà, le service Element. En fait, il voilà, c'est l'élément pour récupérer l'élément natif ou aller le value. Voilà, vous avez saisi is à n comme vous voyez dans les aides quoi. Anina en gros, il y a une chaîne de caractères qui n'a quoi. Nous voulons const valeur. Saisi par exemple, c'est égal à ça. La valeur saisi, comme vous savez, de tout fichier des caractères de la indina fonction à boule tout uppercase ou tout uppercase tout yani ici majuscule à gauche. Vous d'accord, si vous voulez, voilà comment afficher vous afficher à côté de tout majuscule à gauche, je pense tout uppercase. En fait, tout uppercase dans un appel mettre en haut majuscule. Voilà. Voyons voir que si je ne m'étais pas trompé, voilà. Voilà, surtout, en tant qu'il dans le caractère, ou en tant qu'il majuscule. Yani, en gros, anina quand zol katap hini da, nous devons le chien à zol katap dan écraser ou nous retrouver la deuxième valeur hini, hini na isa dal d majuscule. En gros, yani, nous voulons chez nous. Valeur saisie da ou bien au lieu de nous le valeur saisie nous le directement valeur en majuscule quoi. Voilà, on donne un tout uppercase ici. Maintenant, pour que nous nous modifier, il faut indiquer un autre serveur, c'est un service sur un renderer. Le renderer dans le renderer va dans le renderer d'indine une fonction le set property. Voilà, qu'est-ce qu'on veut modifier? Va tu prends cet élément, il va le prendre et dans ça dedans qu'est-ce qu'on veut modifier? On veut modifier les values qui est ici. Donc, value à l'inné d'un goulot, tu les modifies. Donc, c'est value. Et tu les modifies. Et tu les modifies par la valeur à l'inné. Voilà. En général, quand, voilà, on va tester. D'ailleurs, en gros, la documentation ou les renderer d'aide, c'est une classe qui est définie, un service défini sur le Angular Core, très intéressant. Il y a plein de fonctions qui sont faites dans le grid documentation. Alors, ça va nous donner quoi? Alors, il y a une erreur parce qu'il tente de propager l'événement. Donc, il y a un nouveau événement d'event.prevent default. Stopper les propagations de l'événement. Alors, dans le zéma, c'est l'élément, c'est pas la value. Donc, il juste faut que l'élément, tu viens dans cet élément, il y a le Houda, et tu changes le value. Donc. Voilà. J'ai l'impression que il l'a pas pris en compte. Pourquoi? Voyons voir.
directement le boulot fini, calculer les idées. Un truc qui cloche apparemment. Voilà, après nettoyage, ouais, tout un peu de bonne réécriture là. Au final là, je pense que Hinida, ça peut fonctionner. Allez, c'est parti. Voilà, en gros, on a réussi à tout afficher dès qu'il y a une note en minuscule. Ça toujours pendant un laps de temps, afficher en minuscule ici en majuscule. Voilà. Indina Hinida, en fait, autre chose, faut que dans sa ligne, que dans une grande loi, tu récupères. Il y a tout un élément, quand Inda faut un attribut majuscule. Nous devons récupérer quand ID égale à gray, chat par exemple. Quand ID d'accord, Inda voilà, en fait, Inda, ça va être, pardon, ça va être juste un dièse avant. Michel sélecteur en a un CSS, non, c'est au CSS. Voilà. Je pense que cette fois-ci, on va avoir aussi tous les mêmes résultats. Ah. On dirait que. Bon, peut-être pour les idées, ça marche pas. Aline est restée, il faut faire la classe. Nadorongolo pour les classes. On est du nouveau login pour les classes, tu mets un point unique. Voilà. Non. On dirait que ça marche pas avec les classes. Donc on a juste fait attribuer. Dans ces cas de Hinida, il faut que le gré majuscule là. À l'extérieur, je pense que il y a un cas particulier parce qu'il on tente de modifier il y a tout valeur en all input, d'accord, mais après tout voilà, il y a tout le fort d'un utilisé win ng for Michel K. Alford a tout, c'est très utilisé au Nogdoron l'index. En gros, il y a une Ford de les dirigeants du site en angular.io, le site documentation officiel à Game désolé, donc fait partie en doc ou de directive ng4, il y a plus de documentation un peu comme donc ng4 off in the foga pour directive, donc il y a le plus de détails foga. Bon, pour jouer avec Dana de Megderialga, ID, index, il y a plusieurs éléments. Lui, il parcourt un tableau. Le premier élément d'un index à 0, deuxième 1, etc. etc. Al track by glue. Al first. Il y a tout en gros, il y a quoi, quelques éléments. Index, count, d'ailleurs il compte le nombre d'éléments. Le first, d'ailleurs il te dit. Il les met à vrai si c'est le premier élément ou non. À last, il les met à vrai ou non si c'est le dernier élément. Voilà, le dernier élément. Ou even dans l'impair. Ou odd dans even l'impair ou la goufou la zala. La goufou, non, c'est traduction. Translate. Voilà, traduction. Je pense que even est impair. L'anglais n'est pas compliqué. Even. Bon, il n'a pas pu. Even and odd. Voilà. Alors, de pair, even de pair, ou odd impair. Donc, chaque quête là, au final, c'est ça. Donc, par exemple, pour Khalil, nous voulons les even là. Le code hagin par exemple il y a au lieu de index et nous even as impair comme on a affiché les à tous les
Allez, à toi, l'étudiant de Chunchundola. Nous avons un TD Watini. Le TD à Guinada, on a NJ IF. Voilà. On va profiter pour utiliser la notation, la directive NJ IF. On a NJ IF, si c'est impair, bah, affiche impair. Voilà. Il faut que la liste des étudiants. Voilà, il y a tout une impair. Normalement, il commence à partir des 0. 1, 1 de ses impairs. 2 de ses impairs. 3 impairs. 4 impairs. Ainsi de suite. Même si chez au lieu de une a utilisé les événements de Ode. Dans ce cas, il y a un impair pour que le message soit propre. Oui, il a affiché le père. Voilà. D'accord, il est sorti à 0 de mon compte où, mais elle perd d'abord directement à partir de 2, 4, 6, etc. etc. Donc, index à gazolier de réafficher. Vous allez dire index. Avec des i par exemple, ini. Au lieu de faire des ng-if de directement sur l'ig de voilà l'id est affiché ou une quoi ici l'interpolation ensuite il y a une dinal index à gdo oh pardon voilà l'index de la khatamine quoi alors je venais à l'ng-if ng-for khalin yorwa l'ng switch case. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Par exemple, on va se dire que Ini, par exemple. Khaline so une liste. Avec 3 li par exemple. Le premier li d'un goulot, je ne sais pas. Oh, pardon. Premier li d'un goulot. Par exemple, bouton 1. Donc on va faire la même chose. Il nous le bouton 3 et le bouton 2 par exemple. En gros, apparence, il y a un fini ici. D'accord. Il y a en gros, il y a voilà, 3 boutons. Il y a 3 éléments. Voilà. Après, il y a, bah, tu fais juste 3 boutons. Par exemple, le goulot 1, juste comme ça, on donne goulot 2, on donne goulot 3. Voilà, il y a 3 boutons. On veut que quand on clique, il faut que le 1 d'ailleurs affiche les juste au bouton 1, quand on clique, il faut juste afficher les boutons 2, quand on clique, il faut juste afficher les boutons 3. Ou bien pour qu'un logo un affichage super joli de moi nous sommes UL il y a tout nous sommes juste des divs quoi des divs l'idée c'est de dupliquer ou deux fois voilà. Voilà, alors, on va nettoyer. On donne goulot. Ouais. Voilà. Alors, comme tu as refusé programmatiquement de
pour afficher un élément de si une condition est réunie, quoi. Voilà, nous if glow ng if on par exemple que l'indice variable va être égal à, on va dire type bouton par exemple. Si vous voulez, on va définir une variable ini pour le nom bouton. Par défaut, de Ngulo égale btn1, juste comme ça, quoi. Donc, if où sont les variables guinada nom bouton, si c'est où sont da égale à ça da au communication des caractères z, ok. Voilà. En gros, on va les copier-coller partout. On donne le BTN3. On donne le BTN2. Alors, Inida, quand on clique, on fait quoi? Allez définir l'événement de clic. Clic Inida, ça veut dire. Pardon. Clic Inida, il est égal. Bon, pour le nom 1 da, tu vas lui donner ça, btn1. Voyez que l'on va faire la même chose. Btn2. Voyez btn3. Voilà, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? On a peut-être oublié. Ah oui, elle est égale. Nice. Très bien, voilà. Surtout, par défaut, c'est un get. Quand de gain, c'est deux qui est affiché. Quand de gain, trois va afficher. Il va ajouter le else. Voilà. Si bouton 1. Enfin, ngif bouton 1, tu affiches ça. On va donner le else. Et par exemple, nous définir une variable. Variable, il y a HTML avec Angular, donc on le définit avec dièse. BTN1, BTN2 par exemple. Gouchou par exemple. On va les supprimer temporairement. Une idée qui plutôt l'énergie, plutôt NG template. Voilà. Quand cliquer, il faut que le D dedans. Ah. En fait, le NG if, c'est toujours bien comme il y a un élément, deux éléments. Mais comme il y a un peu incontrôlable. C'est pourquoi nous avons utilisé son ng switch. Alors, pour les afficher dans notre Ngulu, nous avons une seule div à l'extérieur, nous avons ng manqué. Au fil du badar, nous avons ng switch case, ng switch. Ng switch. Au test, on le fait sur quoi? Sur nom bouton. Ini. On ferme la div à l'extérieur à la fin du titre. On va me couper au niveau de l'unique. Voilà. Ensuite, il y a quand même le ng switch, mais il y a le ng switch case. Et si tu trouves ng switch case égale.
Voilà, Michel Kay. Oh, même chose, donc après de juste. Voilà, de philosophie, à nous les NG Switch Case. Baden Kanjinada, bah, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Est-ce que c'est normal? Non, bouton de déjà. NG Switch. NG Switch Case, est-ce qu'il y en a, je l'ai bien écrit, je ne t'ai pas trompé, mais l'énergie, chercher pour être sûr que c'est écrit. Bon, je le copie quand même. Oui, je vois que en fait, le premier à l'extérieur, ça va être décroché ouvert et décroché fermant. Et voilà, cette fois-ci, ça va donner quoi? Voilà, il a affiché les boutons 1, on clique ici, on a les boutons 2, on clique là, on a les boutons 3. Ainsi de suite, après, par la suite, comme ici. Je ne sais pas, on fait un bouton 4 et un bouton 5, par exemple. Oui, un boulot 5, par exemple. Oui, un boulot, par exemple, 4. Ouais, 5 par exemple, nous devons sur le NG default ici. Voilà, au lieu de case, nous voulons default. Au default, on demande égalité après par la suite. Ou juste nous voulons chez nous. Autre bouton par exemple. Voilà. Quand vous cliquez sur 3, vous allez afficher un bouton 3. Si 5, 4, vous allez un autre bouton. Si 5, 4, vous allez un autre. Voilà, en gros, ça allait être dans une scène chez nous. C'est là, NG for, NG class ou NG style. Là, par exemple, je crois qu'il y a un style en dur. Faut que les composants là. Quoi. Voilà. Oda. Zéma a manqué NG style, style directement là. Nous devons entre crochets à manquer au login NG style. Yani ça donne la même chose quoi. En gros, quand il dit il faut que les. Ah. Ouais, je pense que NG style là. NG style, il n'est pas content. Alors en fait, NG style, la syntaxe à la ligne 89, ça lui va pas du tout. Quoi. Il faut qu'il nous tenions délimité à manquer. On va donner le padding top, on tout valeur à gain. Ensuite, je pense que c'est une virgule. Ensuite, padding top, margin top, on tout valeur à gain par la suite. On ferme les. Accolades. Je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner, mais non. Il dit quoi? Missing. Ouais. Peut-être qu'on a oublié de fermer un truc. Allez, supprimer les juste là. Supprimons ça. Et voyons voir comment est-ce qu'il réagir. Il y a un truc qui un peu banal ou anina alors c'est un problème banal en fait
parce que oui, il n'est pas content. Il doit recouler qu'il y a entre tous des simples codes. Quand je suis en fait là, il dit voilà. Comme vous voyez d'ailleurs, ça marche bien quoi. Mais juste qu'il y a une deuxième partie manquante. Nous avons la deuxième partie là. Pour vous donner retour aux autres entre codes. Voilà. Deux parenthèses, 2 virgules plutôt, voilà. C'est bon. Parfait. Après tout, nous avons un ng style, style. Padding top, style point padding top. Zeda égal à 30 px. Égal à 30 quoi, puisque l'unité de mesure, je pense qu'il y a garlas déjà en pixels. C'est bon. En gros, il y a le huda dama, le dada c'est équivalent. Il y a le huda quand on gâche un local. On peut d'ailleurs les supprimer. Donc, d'où on saut. Ensuite, le huda qu'on d'où on saut d'une certaine façon. Donc, le style. Style. Point margin bottom. Le huda. Voilà, égal à ou d'accord 250. Mais khalou pour qu'on go des exemples. Ensuite, tu rends un ng class, donc la même chose ici. Ng class. Bien sûr, il y a gang manqué. Ng class. On a tout le class d'accord. Michel K. Dada, quand la chaîne est là, il va réagir de la même façon. Quoi. Voilà. Ou bien, quand on a directement nous le classe, il dans minuscule. Point ça. Classe, point le nom de la classe. Égal à true. S'il est égal à true, il va l'activer. Si c'est false, il va le désactiver. Quoi. Voilà. En gros, c'est un peu tout, on a le directif de là. C'est aussi marouette, beaucoup trop utilisé. On est utilisé ou de temps en temps, je crois, qui est ciblé, par exemple, là, ça, le formulaire, on a ajout d'étudiants. Faut que les noms, par exemple, on va les forcer et activer un nom en majuscule. Ça, c'est minuscule, l'ajout de l'issanine, on va appliquer, faut que je faut que la modification d'appliquer où Yahoo directement en gros yani pour comme on a les directives à guina à la semaine il suffit juste de solidifier formulaire d'ajout là où il faut que bon on est appliqué au faut que la modification il faut que l'ajout bis ou nous goulons voilà inida tu appliques cette directive voilà comme appliquer les directives là. Quand il faut que le formulaire d'ajout, voilà, on go, il faut que le nom directement et tout. Il force le nom en majuscule, quoi. Au Baden, en gros, comme Michel Baden a ajouté un étudiant à travers notre formulaire, là, on go à l'étudiant dont le nom est toujours en majuscule. Ou bien, comme on est au niveau de l'âge, là, on peut forcer la personne à saisir que des entiers, pas des caractères là, tout non numérique, que des caractères numériques. Donc voilà quelques idées on a directives ou sûrement on va beaucoup les utiliser ça vient de juste un peu plus j'ai essayé d'être un peu plus comme théorie ou en plus de ça exhaustivité c'est sûr que mais on va le voir par la suite dans la pratique. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine leçon.